Good morning, allez Yiden les sus aujourd'hui le Nishmat Dov ben Yudit et Vietar Amram ben Chedva Chaya Esther Bat Miriam Yitzhak Peretz ben Fortuna. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechat Shabbat Perikret Mishnah Dalet Devek Kedeliten Berosh Hashem Shevet Zefet Vegofrit Kedela Sot Nekev Shaava Kedeliten Alpi Nekev Katan Charsit Kedela Sot Pikur Shel Tzorfe Zahav Rabbi Yehuda Omer Kedela Sot Pitput Soubine, kedeliten alpi kour shel tzorfezav. Sid, kedela soud ktana shebabanot. Rabbi Yehuda Omer, kedela asot kilkul. Rabbi Nechemia Omer, kedela asot andifi. Depuis la fin du Perek Zain, on découvre les quantités requises de chaque chose, élément, objet, nourriture, matériaux. Quelle est la quantité requise minimale pour transgresser l'interdit de Shabbat? C'est-à-dire, je m'explique, d'abord, de manière générale, tous les interdits de la Torah, en général, il faut une quantité requise pour transgresser l'interdit. Manger quelque chose d'interdit, il faut un kazaït. Boire quelque chose d'interdit, il faut boire un revit. Des quantités pour chaque chose. Pour les interdits et les transgressions de Shabbat, parce que tu as fait un travaux, il faut aussi une quantité conséquente. On va les découvrir pour chaque melacha, et spécialement pour l'interdit de porter à Shabbat. Alors là, ça rallonge énormément. Il faut une quantité, succinctement, la règle, je la rappelle, on l'avait découvert dans la Mishnah Zayin, si c'est une quantité qu'il est d'usage, ouais, lorsque vous avez un petit bout de papier à la maison, vous le jetez. Si vous avez un petit bout de papier un petit peu plus important, vous le gardez parce que ça va servir, vous allez le mettre dans un tiroir, comme ça vous l'aurez au cas où. Et ainsi de suite pour chaque objet, donc pour chaque élément. Donc du coup, dans notre Mishnah, maintenant, on va découvrir encore une nouvelle série d'objets, de matériaux. Quelle est la quantité minimale qu'il est d'usage de garder, donc que l'on transgresse à l'interdit Shabbat si on va le transporter sur la voie publique? Et on commence avec de la colle. Si vous avez un peu de colle dans un fond de colle, de quoi coller une feuille, vous n'allez pas le garder, vous allez stocker, vous occuper de la place dans une armoire, ça ne se garde pas en général. Par contre, mais alors quelle est la quantité minimale qu'on a l'usage de garder? Quelle est l'étenbero chachav chevet? De quoi mettre à la tête en haut de la chave chevet? De la chave chevet. C'est un piège à oiseaux. On prenait une latte de bois, on mettait des graines au bout, on mettait de la colle à côté, comme ça l'oiseau il venait, il se mettait à picorer, puis après il ne voulait plus s'envoler. Comme ça on pouvait l'attraper, le capturer. Donc la quantité de colle requise pour là-bas, c'est la quantité de colle minimale qu'on garde à la maison. Et donc quand on se passe à l'interdit, si on le transporte pendant le Shabbat. Zefet ve gofrit. Zefet, c'est du goudron. Gofrit, c'est du soufre à l'état pur. D'accord? Alors, qu'aider la sotte nekev, de quoi faire un petit trou? D'après ce que je comprends du Bartenora, en fait, c'est qu'une fois qu'on a extrait, pour pouvoir garder l'argent, on avait l'usage de garder dans un ustensile, je sais pas compliqué ce que c'est cet ustensile, mais bon, et pourquoi pas dans une bourse, ou pourquoi de l'argent en métal. On avait l'usage d'en faire dans un petit ustensile, et puis on lui mettait un bouchon spécial, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça le nekev. Je traduis le Barthénora comme ça, on reste fidèle au texte. Kli shemesimin bokesef chai. Un ustensile où on a l'habitude de mettre de l'argent, chai, l'état brut. Vesotem piv bezefet obegofrit. Et on fermait son ouverture avec du goudron ou avec du soufre. C'est ça le but en fait. C'est que vose bistimat nekev katan. De manière à ce qu'on va pouvoir faire maintenant dans cette ouverture, c'est pour ça qu'on cherchait une matière un peu molle en fait, pour lui faire dedans un petit trou dedans, à l'intérieur de ce bouchon, de manière à ce qu'on va pouvoir sortir l'argent brut. D'accord? On ne voulait pas. En fait, c'est comme un peu le même principe qu'une coupe à Tzedaka. Vous avez aujourd'hui on fait tout ça en plastique, mais à l'époque il n'y avait pas de plastique. Donc il fallait quelque chose qui va d'un côté me faire un bon couvercle, mais d'un autre côté que je vais pouvoir lui faire une petite fente pour faire sortir facilement les choses qu'il y a dedans, donc c'est le même principe aussi. D'accord, on utilisait ce goudron-là, ou ce soufre, apparemment, j'imagine que c'est apparemment, dans le Dafka, je crois que c'est pas du tout malléable, mais bon. Ok, c'est ce que je comprends de cette Mishnah, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai même recommencé le shiur parce que j'avais fait une grave erreur, mais bon, j'ai au moins résolu une part des problèmes. Sha'ava. Maintenant, de la cire, qu'est-ce l'éten alpine nekev katan. De la cire, c'est de quoi mettre sur un petit trou, c'est-à-dire, lorsqu'on veut ouvrir un tonneau de vin, eh bien, on fait un trou, d'accord. Il y avait une, comment ça s'appelle, pas une cheville, à l'époque, aujourd'hui, on faisait avec des perceuses,
Mais bon, peu importe. Et en tout cas, on faisait un trou. Et puis après, le trou, alors le bois, il était un peu, maintenant, il faisait des petits copeaux. Donc on avait l'usage de prendre de la cire et de l'étaler comme ça tout autour pour pouvoir, pour que l'ouverture soit lisse. Cette quantité de cire, c'est la quantité de cire qu'on. Dans ce cas-là, si on transporte cette quantité de cire pendant Shabbat, donc ça m'interdit de porter. Et ensuite, rarsit, c'est de l'argile, qui est de la sotte picour chez le tsofezav. De quoi faire? L'ouverture du creuset des tsofezav, c'est ceux qui extraient l'or, plutôt ceux qui purifient l'or. L'or, à l'état brut, il a plusieurs impuretés. Il va falloir le faire monter à des très hautes températures dans un creuset, qui est en général une matière argile ou à base de terre, qui peut supporter des hautes chaleurs. La fonte de l'or, je crois que c'est quelque chose de 1200 degrés, plus ou moins, je crois. Et le point de fonte, bon, donc il va falloir maintenant porter à une très haute chaleur. Donc il faut un matériau qui soit capable de supporter des chaleurs. Même plus que ça, c'est bon, lui aussi il va fondre. Donc du coup, eh bien, on prenait en général, donc on faisait un creuset, et on le chauffait à très haute température. Et maintenant, pour l'ouverture, alors il y avait, alors apparemment, tel que je comprends en fait, le combustible, il était à l'intérieur du creuset lui-même. Donc du coup, s'il n'a pas d'air, il ne va pas chauffer. Si vous mettez trop d'air, il ne va plus pouvoir chauffer énormément. Donc l'usage, il était de quoi? De lui faire. On prenait ce creuset et on le fermait avec un morceau d'argile. Et on mettait dedans un tout petit trou de quoi faire rentrer le bec du soufflet. Et puis comme ça, on pouvait souffler et attiser à l'intérieur et ça apportait. J'imagine que ça va faire comme la cocotte minute en fait, quoi. Que toute la chaleur est conservée, donc du coup, ça va pouvoir atteindre des très hautes chaleurs. Comme ça, je suppose que c'est comme ça que ça marchait. Donc, rare site, je reprends l'argile, c'est l'argile, qui est de la sorte picour, de quoi faire l'ouverture d'un cours. Cours, c'est le creuset. Chez le tsorfezav, de ceux qui sont metsarfim, le zav, de ceux qui vont, comment dire, purifier l'or. Voilà pour la quantité d'argile. Rabbi Yehuda Omer, non, c'est pas la peine de chercher à faire cette ouverture, tu peux prendre moins que ça, et tu transgresses déjà l'interdit. C'est qu'aider la sotte pitpout. De quoi faire un petit pitpout? Un pitpout, c'est un pied, apparemment, j'imagine, puisque le creuset, il était naturellement rond, pour pouvoir le caler, alors on lui faisait un pied, un trépied, ou un pied plutôt. Et voilà. D'accord? Ensuite, soubine. Alors, soubine, c'est le son, c'est les impuretés de la farine. Et la Mishnah me dit comme ça, qu'aider la sotte pikour chez le tsorfezav. Qu'aider l'iten al pikour chez le tsorfezav. De quoi mettre à l'ouverture des tsorfezav, de ceux qui purifient l'or. C'est assez complexe. Le Bartonnerie propose deux interprétations, il y en a une que j'ai pas du tout compris. Une interprétation, c'est que d'abord, il y a des fois où on n'a pas de charbon pour pouvoir chauffer le creuset. Alors on mettait à la place, on mettait justement ce soubine. D'accord? Et comme ça, c'était lui qui donnait le combustible. Et ça faisait quand même, ça atteignait quand même des températures importantes. Donc maintenant, s'il y a de quoi faire une fonte du. Ouais, de quoi faire chauffer le creuset, alors c'est là la quantité de soubine à transporter. Ça, c'est la deuxième interprétation. Ouais, non, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, j'ai pas compris. Il dit qu'on l'étalait sur l'ouverture. Je ne sais pas à quoi ça sert d'étaler sur l'ouverture. Je ne sais pas. Je continue. Cid. Cid, c'est de la soude. Alors, la soude, elle a l'avantage d'épiler la peau. On épilait avec de la soude. Et encore aujourd'hui, il y a des bachour et chivotes qui ne veulent pas se raser. Alors, pour ne pas utiliser de rasoir, parce qu'il y a un problème de peut-être passer la lame, même s'il y a des chéris, mais tout ça. Il y en a qui veulent faire mieux. Alors, ils utilisent une crème dépilatoire, tout simplement, comme pour les femmes. Et je crois que c'est à base de cidre, ça sent l'odeur, quand on sent, ça a une odeur forte, un peu comme la soude, la chaux. Alors, cidre, qu'est-ce la soude ktanash babanot? Alors, de quoi mettre sur une petite fille? C'est assez discuté et flou, quelle est la signification exacte de ça? Il y a deux interprétations faites. Et j'avais pas compris, c'était un, c'était le Barthénois, c'est quand même un peu comme le Rambam, mais l'autre c'est le Tiferet Israël. En fait, je vais voir la Gemara, j'ai vu que dans la Gemara, c'est l'avis de Rashi et du Rabbeinu Hananel. Deux interprétations, soit pour alors, il y a l'interprétation du Rambam qui est rapportée dans le Barthénois d'abord. Alors, c'est une jeune fille, qui a atteint maintenant l'âge de la puberté, et elle n'a pas encore eu ses règles, elle n'a pas encore eu son système qui s'est développé. Alors, je ne sais pas pourquoi ils étaient stressés, mais il fallait que ça aille vite, peut-être parce qu'elle allait se marier, ou je ne sais pas.
Alors il y avait une solution, c'était de justement de lui étaler sur elle de la chaux, et le Rabbi Nachman explique tout le système. Ça fait que ça va boucher les pores de la peau, et donc du coup toute la chaleur va rester à l'intérieur, puis ça va accélérer le procédé. Comme ça, c'est rapporté dans le Rabbi Nachman, c'est pas dit dans le Rambam. Je pensais que c'était plus parce que quand on va enlever les poils, donc ça va activer la création de la fabrication d'hormones, ou je sais pas. En tout cas, comme ça explique Rabbi Nachman. Ça, c'est la première interprétation, et c'est comme ça que le Barthelon explique. Deuxième interprétation, c'est plus comme Rashi, et c'est comme ça que le Tiferet Israël l'explique. Je n'ai pas trop compris pourquoi, elle s'épile le doigt, le petit doigt. Ils avaient une girsa dans la Gemara, qui est la soud etzbaktana chez Babanot. En tout cas, c'est sûr que c'est rapporté dans la Gemara aussi que ça épile. Ça enlève les poils d'étaler l'acide, la soude. Donc ça c'est le premier avis. Soit c'est pour l'étaler sur toute la fille, ou soit le petit doigt, selon les girsaot. Rabbi Yehuda, maintenant, qui est la soude qu'il coule. Rabbi Yehuda, il nous dit non, de quoi le faire un qu'il coule. Il explique qu'il coule, le Barthelon, c'est. Et il explique que le bandana, c'est raser les tempes. Et des fois, des filles un petit peu poilues. Et alors là, c'est un peu flou, parce que de nouveau, le bandana, il va nous dire que c'est pour aplatir les poils qui lui poussent. Ouais, comme ça, il dit. Vesadin, otan, basid, le hashkiv et asea. Adzdain. Pour pouvoir coucher le. J'ai pas trop compris. C'est pas pourquoi ne pas l'épiler si elle a des poils. Je sais pas. Je dis, c'est très difficile à comprendre ces Gemara. Même quand on lit les Gemara, c'est assez flou parce qu'on ne vit plus assez avec cette réalité. Donc, ce qu'ils ont expliqué, on comprend, mais des fois, ils se parlent. Les Rishonim, ils parlaient avec des choses qu'ils rencontraient tous les jours. Nous, on n'a plus du tout ce mode de vie. Voilà, c'est pas grave. Rabbi Yehuda Omer, qui est de la saute, qui le coule. Donc, Rabbi Yehuda, il dit non, de quoi faire étaler sur les tempes, soit pour lui coucher, pour que les poils s'aplanissent, soit au contraire pour les raser. J'ai pas. D'accord? Et Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, lui, il y en a entre pour faire un andifi, qui est de la sorte andifi. Alors andifi, le Barthelon, il nous dit, ah non, c'est pas la tempe, c'est sous la tempe, il y a là-bas, apparemment, j'imagine, dans le coin, il peut y avoir aussi des petits poils à supprimer, et donc c'est une quantité inférieure. Quoi qu'il arrive, chacun, il vient diminuer la quantité requise. Le premier avis, il fallait une plus grande quantité, soit pour un petit doigt, soit même pour tout le corps, ou peut-être la partie génitale, c'était pas assez clair. Et l'autre, il nous dit non, de quoi faire la tempe. L'autre, il nous dit non, même moins que la tempe. Et à part, dès qu'on va transporter ça, alors cette petite quantité, elle est d'usage de la conserver parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Et donc, du coup, on pense que ça m'interdit de porter à Shabbat. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, v'salah.